Hello tout le monde, j'espère que vous portez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser des individuels crochet braids avec la méthode des fausses locks. Donc j'ai retenté les fausses locks après quelques mois et j'adore le résultat. C'est assez simple à faire pour le coup et ça tiendra beaucoup plus que lorsque je les faisais avant. Et c'est vraiment une technique très très intéressante. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Donc une fois après avoir passé la mèche à l'intérieur de votre natte, vous allez pouvoir tourner la mèche pour obtenir votre locks. La méthode du crochet permet d'éviter toute traction au niveau du cuir chevelu parce que lorsqu'on fait des coiffures protectrices style tresse, vanille, fausse locks, il y a énormément de traction au niveau du cuir chevelu, ce qui peut le sensibiliser et perpétuer la casse. Donc faites très attention lorsque vous faites vos premières nattes, ne serrez pas trop, laissez un peu de lâche pour que la natte puisse passer et que ce soit pas trop serré au niveau de votre cuir chevelu. Pour celles qui souhaitent plus de longueur et rallonger leurs fausses locks, vous pouvez ajouter au fur et à mesure une nouvelle mèche que vous allez incorporer dans la natte que vous avez faite et que vous allez bloquer, essayer de bloquer en faisant un nœud. Et vous allez continuer la fausse locks jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas à la fin de remonter, de faire un nœud au bout et de remonter la mèche pour pouvoir sécuriser les pointes des fausses locks. Et voilà le résultat, j'espère qu'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup beaucoup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de fausses locks et ça me manquait un petit peu d'avoir cet aspect vraiment assez roots. Donc j'ai décidé de les rallonger pour avoir beaucoup plus de longueur et me la péter un petit peu. Donc si vous souhaitez raccourcir, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez très bien rester au niveau taille épaule qui est la meilleure... qui est le meilleur niveau en fait pour réaliser des coiffures un peu stylisées. Je vous ai rajouté dans la vidéo un petit bonus idée coiffure qui est assez simple à réaliser et que je réalise assez souvent. Donc voilà, j'espère que... Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à déclencher la petite cloche qui se trouve au niveau de mon profil pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront très prochainement. Des bisous.